Chers amis, bonjour. Mon objectif aujourd'hui est de vous faire manger pour 15 euros. De réaliser deux plats sains, faciles à réaliser et gustatifs, bien évidemment. J'ai choisi d'utiliser le poulet, qui est un produit de consommation usuelle. Et je vais le décliner en deux recettes. Une entrée, un plat. Pour mon entrée, j'ai choisi de vous concocter un petit bouillon, version taille un petit peu, avec une julienne de légumes, des herbes fraîches et quelques petits épices. Nous poursuivrons par le plat qui sera un poulet rôti avec un beurre de méditerranéen entre la chair et la peau, rôti, servi avec son accompagnement qui sera une délicieuse purée de céleri aux pommes. Pour réaliser cette recette, je vais faire appel à Marie qui est notre invitée du jour. Elle a 21 ans et un petit budget. Marie, à vous. Et on va commencer ensemble. Par détailler les produits qu'il y a sur la table un petit tronc vert, de la tomate séchée, des olives noires, des filets d'anchois, du thym frais, un mélange de baies fraîches, du beurre et un poulet. Mélanger tous ces ingrédients qu'on va ensuite glisser entre la peau et la chair du poulet. C'est toute l'originalité de ce plat. Le principe, c'est vraiment de décoller la peau à l'aide d'une cuillère comme ça. Vous allez la rentrer entre la chair et la peau pour la décoller très délicatement. Pour ne pas la déchirer. On va s'occuper maintenant de notre garniture. Petite poignée d'olives. On va les hacher grossièrement. En fait, si vous voulez reconstituer un beurre avec tous ces petits ingrédients hachés. On met ça dedans. Hop À la tomate confite. Nous le faisons au couteau, mais si chez vous vous avez un petit mixeur ou un cutter, ce qu'on appelle nous dans le métier, dans notre jargon professionnel, ne vous embêtez pas, pour un gain de temps, vous faites tout ça au mixeur et ça va évidemment bien plus vite. Premier, on va prendre juste le zeste. Voilà. Arrêtez-vous bien à la partie verte, car la partie blanche, nommée le ziste, est très amère. Alors, toute la particularité de cette recette, évidemment, c'est d'utiliser de l'anchois, qui est un, un produit évidemment qu'on n'a pas l'habitude d'agrémenter de, avec des viandes, euh, mais c'est un grand or parce que le mélange est surprenant et excellent. Euh, évidemment, on va contrebalancer euh, cette puissance d'anchois avec notre garniture, qui est notre purée de céleri aux pommes. Les pommes vont ramener de la douceur à ça et contrebalancer le. La puissance de l'anchois. Marie, on poursuit avec les anchois maintenant. Pareil, haché finement. Regardez. Des petites feuilles de thym. Vous ne me mettez pas les. Vous mettez juste les feuilles. Alors, le thym frais, on n'en a pas systématiquement toute l'année, bien évidemment. Si ce n'est pas du frais, ce n'est pas grave. Le sec, c'est très bien. Il ne reste plus qu'à mélanger ça. Allez, Marie, allez! peu de farce, et on le glisse dedans comme ça. Alors, essayez pour travailler proprement, vous voyez, de ne pas en prendre trop. Hop, on appuie avec le doigt, on le fait glisser, et là, vous appuyez, et vous le répartissez partout. L'intérêt d'utiliser ce procédé, bien évidemment, c'est de donner à la chair une onctuosité que vous n'aurez jamais si vous le rôtissez de manière naturelle. Alors maintenant, on va... il ne nous reste plus qu'à mettre le poulet dans le four. four. C'est parti Let's go! Bien, le poulet est au four maintenant depuis euh, grosso modo une quarantaine de minutes euh, à thermostat 190 degrés. Le poulet est en cuit. Voilà. Alors, voilà, vous avez une jolie couleur caramélisée. Alors, ce qui donne ce, cette couleur, ce n'est pas du tout brûlé, hein, c'est caramélisé, c'est très foncé. Il est très important aussi de garder ça, ce fond-là c'est votre jus de cuisson. Ça, vous le faites chauffer, vous continuez de le faire chauffer au four, vous enlevez le surplus de gras et vous mettez un petit peu d'eau dedans, vous avez un jus naturel de poulet qui est juste fabuleux, qui va évidemment venir accompagner votre poulet. On va commencer par le couper au centre, comme ceci. La cuisson est parfaite. Alors pour l'occasion, j'ai préparé une petite salade simple. Euh, voilà, qui pourra accompagner votre déjeuner. Euh, ça se marie très bien. récupère le petit jus. Voilà. Maintenant, je vais te montrer ce qu'on va faire de ce bouillon. Donc, on a une petite julienne de carotte, une julienne de champignons de Paris, un petit zeste de citron, de la sauce soja. Une julienne de chou, une petite julienne de brocoli, une petite pousse, une jeune pousse de céleri branche, un effiloché de surimi et de la coriandre fraîche. Là, là, tu as la carcasse du poulet, le bouquet garni avec les carottes, avec tout ça. On faire un bouillon très clair. On va pouvoir maintenant tout simplement jeter nos petits ingrédients hein, de manière délicate. Hop, donc un petit peu de surimi. Allez-y, faites-vous plaisir avec moi, à la craque, hop, on en met un peu partout. C'est une... C'est complètement dégraissé. Le bouillon de poulet ne, 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 ne contient absolument pas de gras puisqu'on l'a enlevé. Vous avez à la fois un plat santé, un plat goûtu et surtout pas cher. Voilà. Mmh. Parfum qui se dégage. C'est vous qui l'avez fait. Fait au début, mais. C'est génial! Nous allons finir de déguster euh, notre préparation. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain numéro très rapidement. Mais surtout, n'oubliez pas, mangez bien, mangez sain. Mais surtout, surtout, faites-vous plaisir en cuisinant. À très bientôt. Au revoir.